bien, salut. Vous m'avez attendu pendant toutes les vacances? Ok. Bon, mais je suis obligé de faire une vidéo alors. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas comme on pourrait le penser à cause de l'intro, une vidéo un petit peu spéciale ou je sais pas quoi, mais bien comme vous l'avez vu dans le titre, une update. Simplement, pourquoi je la fais comme ça? Parce qu'il y a rien. J'ai pas de banque à vous montrer, donc je pensais plus intéressant. Enfin, ça change rien quoi. Voilà, vous pouvez admirer mon pingouin d'ailleurs qui a changé de look. Vous avez vu, il a un nœud papillon maintenant. Dites-moi si vous trouvez que ça lui va mieux en commentaire. Moi je trouve ça. Ça fait plus, ça fait comme un costume avec les côtés noirs comme ça. Bon, on s'en fout. Donc déjà, oui, j'étais en vacances. Je n'ai aucun mock, donc j'ai terminé la V10 du mock 19. Je vais terminer avant les vacances, ça j'y tenais beaucoup. Pas seulement, comme je le dis dans la vidéo, pour terminer l'année scolaire sur la fin d'un mock, mais aussi pour pouvoir le ranger après, pour pas qu'il prenne la poussière pendant les vacances. C'est pour ça que là j'ai rien à vous montrer, c'est parce que j'avais tout rangé et je suis rentré hier très tard vers 10h30. Voilà. Et en plus ici il y a n'importe quoi parce que j'ai commandé des LED, des câbles et une breadboard pour essayer de faire des montages d'illuminer mes mocks avec des LED, mais sans acheter les LED Lego qui coûtent la peau du cul. Donc voilà, j'essaie de faire des trucs un petit peu là, j'ai testé ça. Ça marche moyen, mais bon, je vais me débrouiller, je vais mettre plusieurs batteries, je vais faire plusieurs trucs. Je vais réussir à faire quelque chose. D'ailleurs, j'ai déjà cramé une LED, je sais pas où je l'ai foutu. Bon, tant pis, on s'en fout, c'est pas grave. Attends, c'était pas l'autre de... Bon, tant pis, on s'en fout. Donc, je vais revenir la dernière version, la V10 du Mach 19, du coup, voilà, je vais revenir dessus. Je l'ai fait très très rapidement, même pas 2 heures, et après il y avait quand même pas mal de choses dessus, comme je l'ai dit, c'était pour pouvoir la publier avant de partir. C'était inspiré donc d'un commentaire de CG Sayer, ça je l'avais déjà dit, et je trouve que c'était une très bonne idée, donc peut-être que je le referai dans plusieurs mocks où je ferai plusieurs versions. Là, pour ce qui va être à les vidéos à venir, alors il n'y en aura pas beaucoup parce que je ne vais pas être tout le temps chez moi pendant ce mois d'août. Vous aurez bientôt, ça je vous le promets, depuis janvier ou presque, depuis février, la review du General of the Sweet Bike. Enfin, je pense que vous en foutez un petit peu, mais même si vous n'avez pas le set, parce qu'il y a eu énormément de reviews sur YouTube, mais je vais quand même le faire pour ça. Vous aurez aussi peut-être, enfin oui vous l'aurez, mais peut-être pas tout de suite, ça dépend quand est-ce que je me le commande, la review du nouveau Snow Speeder, parce que je vais me l'acheter pour faire mon mock spécial Noël, donc pour ma vidéo spéciale Noël. Donc je vais la faire en avance parce qu'après là, à partir de la rentrée, je n'aurai plus du tout le temps, donc j'ai envie de finir le montage aux vacances d'automne. Voilà. Donc je commence maintenant, je prends de l'avance tant que je peux, et là il faut quand même dire ce qui est, j'ai pris un petit peu de retard, mais ça va. Donc oui, dans les prochains, la prochaine commande, je sais pas quand elle sera, parce qu'il faut que je sois sûr d'être chez moi le jour où elle arrive, je prendrai un set Lego Castle, et avec je ferai enfin le mock Doctor Who dont je parle depuis longtemps, et le Snow Speeder. Et si ça fait pas 55€, je prendrais peut-être deux ou trois petites merguilles picabriques, mais c'est vraiment juste pour faire 50€ pour les frais de port, parce que là on devrait pas être très loin des 50 et plus les frais de port de 6€, ça fait péter. Mais voilà, donc aussi oui, je suis rentré de voyage hier soir. Normalement je devais rentrer un jour plus tôt, mais c'est quand même une petite panne, donc on est resté une nuit un jour de plus de voyage. En plus on n'a même pas récupéré la voiture, on est rentré avec un autre véhicule, mais ça on s'en foutait complètement, ça n'a rien à voir avec ma chaîne. C'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, donc c'est vraiment juste une update d'information. Peut-être que vous aurez
prochainement un mock, mais j'en suis vraiment pas sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous aurez, enfin, je vais pas dire certain, quasiment certain, dans les prochains jours, ça, mais c'est sûr que vous l'aurez avant la fin des vacances. Bon, je sais que c'est dans longtemps, enfin, ça dépend. Moi, je trouve que le temps passe très très vite, mais ça, c'est autre chose. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, aussi, vous avez été pas mal à avoir aimé mon mini briefing Doctor Who que j'ai fait pour Lego Man, donc pour ses 1000 abonnés. Bah déjà, je vous remercie parce que moi, les briefings, c'est pas trop mon truc. C'est pas que j'ai pas la technique pour le faire ou quoi que ce soit, c'est que j'ai pas la patience en fait de faire 30 millions de photos et après de passer 1 heure et demie dans le logiciel de montage et tout. C'est vraiment, je peux pas juste. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo que je faisais pour les 1000 abonnés de Lego Man. C'est juste que la première étant non répertoriée parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Lego Man est le lien, normalement il pourra après pour faire son machin, prendre la télécharger quoi, puisqu'il a déjà le lien. Je l'avais fait avec les Google, mais je vous la mettre, je vais pas vous mettre le lien, puisque quand il aura fait sa vidéo avec toutes les vidéos de ses abonnés, je la supprimerai, mais je vous la mettre maintenant dans cette vidéo. Salut à tous, c'est RX33 et je suis avec mon pingouin aujourd'hui et on voulait juste féliciter Legoman pour ses 1000 abonnés. Donc voilà, bravo à toi. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, je suis en compagnie de Legogo. Legogo. Je voulais aussi dire bravo à toi, Legoman, donc encore bravo pour tes 1000 abonnés. Voilà, c'est tout. Bah, encore bravo et à la prochaine. Salut! Voilà, donc c'est tout, c'est rien d'exceptionnel vraiment. Aussi, en rentrant, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis connecté plusieurs fois à Internet et à YouTube pendant ces vacances où je n'étais pas chez moi, mais jamais depuis un ordinateur. C'était toujours depuis, enfin là, quasiment tout le temps, depuis ma 3DS, parce que j'avais laissé mon téléphone ici. Moi, mais je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça, je suis complètement con. Depuis ma 3DS qui est ici, mais et là, l'application YouTube, là déjà, c'est bien qu'il y ait une application YouTube de la 3DS parce que c'est une. Le système d'exploitation de la 3DS, c'est un système d'exploitation complètement fermé, c'est encore pire que iOS. C'est que là, quasiment on ne peut pas créer d'application. C'est Nintendo qui fait tout. Et donc, ils ont fait une application YouTube parce qu'on leur demandait depuis longtemps. Mais elle est complètement à chier, elle est mal adaptée au hardware de la console. Enfin, je veux dire, juste, c'est de la daube. Et surtout, on ne peut pas lire les commentaires ou en écrire dessus. On peut juste regarder des vidéos. Alors qu'avec deux écrans, quand même, ils auraient pu se démerder. Voilà, c'est pas de ça que je voulais parler d'ailleurs. Juste, en rentrant chez moi, j'ai vu 66 notifications. Google Plus. Alors, au début, j'ai pensé que c'était tous des putains de psychopathes. Mais après, j'ai compris que c'est parce que dedans, il y avait aussi les 30 millions de posts de Lego Man pour son deuxième défi, me semble, de son groupe d'abonnés auquel je n'ai pas pu participer. Et ça, je regrette énormément, mais c'est pas grave. Je participerai à son concours de 1000 ou 3000, enfin, son premier, prochain, pardon, machin. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Désolé pour cette vidéo qui est complètement inutile. Vous auriez peut-être aimé voir du Lego. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous pour le moment. Je vous montrer cette plaque, comme ça vous aurez au moins vu quelque chose. C'est une blague de merde. Mais vraiment, j'ai rien du tout. Et c'est un bordel pas possible. Je vais vous montrer si vous le souhaitez. Voilà, c'est comme ça. Et comme vous voyez, il n'y a rien. Les Lego, ils sont là-dedans, là, ils sont rangés. Quasiment tous rangés. Ici, en dessous aussi. Et là, c'est le bordel, hein, je les empile parce qu'il n'y a pas de place. Et j'en ai quelques-uns là-bas. D'ailleurs, eux, je les oublie à chaque fois que je fais des mocks. Je ne pense jamais à regarder ce que j'ai ici, sauf si je cherche un vaisseau en particulier. Mais voilà, sinon, je prends tout le temps là. Puis voilà. Bon ben c'est tout ce que j'avais à vous dire, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut.